Salut, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Ce ne sera pas du tout un test de propagation Paradise Hotel. Alors, propagation, il a existé une version propagation VR, donc qui était un close-up, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que vous étiez dans un espace fermé et il y avait une salle d'ennemis qui arrivait à gauche et à droite. C'était bien fait, mais bon, c'était plutôt pour moi une expérience puisque c'était répétitif. Et on en faisait vite le tour. Là, ils ont entre guillemets promis entre guillemets une histoire. Donc, c'est chose qu'on va faire aujourd'hui. Je démarre tout de suite le jeu. Je n'ai pas essayé. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Le jeu est à, je crois, moins de 20 euros. Donc, ça laisse présager un jeu à une durée de vie vraiment limitée. Bon, j'espère que je suis bien placé, que vous allez voir un peu le record. On y va. On va aller voir tout de suite les options. Donc, je suis en PCVR avec le MetaQuest Pro. Le gameplay, il y a du français. Alléluia, magnifique. Côté de l'arme, moi je suis gaucher, on va mettre gauche. Tour de taille de la ceinture, hauteur de la ceinture. Voilà, on voit déjà un petit peu, j'espère que vous le voyez, ce que j'ai à la taille. Type de rotation instantanée, désactivé, continue, lisser. On va laisser comme ça par défaut. Le contrôle, on va laisser également par défaut. Le son, on va laisser par défaut. Et les graphismes, qu'est-ce qu'ils me donnent? Résolution à 100, donc on peut augmenter un petit peu tout ça. On peut mettre une caméra stabilisée. Je vais la mettre juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je me répète, c'est pas un test en soi, c'est juste une présentation de ce qu'est ce jeu. On va mettre en normal. Et on est parti. Donc quand je vous ai dit PCVR, c'est bien évidemment câblé. Donc je rappelle, Wana Dev Studio, c'est un studio français. On va juste bien régler le casque. Profiter de l'expérience au maximum. Le son avec les oreillettes pourrait bien être immergé. Petite musique bien oppressante. J'ai ma manette qui vient de vibrer. Donner l'info 3 en main. Voilà. Il suffit juste, hop, voilà. C'est écrit en français. That's crazy, everything that's happening. I miss you, Ashley. I hope you're all right. Donc, écrit, sous-titré en français. That sounds like Owen needs help. Donc, nous n'avons que les mains. Donc c'est façon téléportation. Là, gauche-droite avant. On va essayer comme ça. Alors est-ce que je peux changer? On va juste regarder. Action. Contrôle. Et type de rotation instantanée. Bon, je vais laisser comme ça. Allez, on va faire avec vraiment le gameplay de base, comme ça au moins. On peut quand même avancer avec le stick de gauche et faire de la rotation sans prendre la téléportation. Alors déjà, ce qu'on va déjà commencer par faire, moi j'aime bien. Alors premier abord, graphiquement super beau, super bien détaillé. Encore une fois avec le MetaQuest Pro, mais bon, voilà, je préfère vous le dire. Est-ce qu'on peut prendre des objets? Là, je peux rien prendre. S'il vous plaît, faites qu'on peut quand même prendre. Ah. Je ne peux rien prendre. Alors, on va quand même confirmer une petite pomme, non? Mais là non plus. Ah, dommage. Bon, ouvrir la porte. Marquer en même temps. Voilà. Is everything okay? No, it's not Emily. Not at all. That was the last yarn. Ah, no more peanut butter. How will we ever survive? Huh. No, but seriously, with the food that's left, how much longer can we last? I'd say a few days,
Maybe a little over a week if we're organized. Well, it only took the end of the world for me to finally start a diet. At least my wife's gonna be over the moon. The door won't hold much longer. We really need some help to get out of here. Let's see if we pick up anything. Still nothing? No, only static. There has to be other survivors somewhere. I'm so sick of waiting. You don't have to stand there. I'll call you if I pick up something. De toute façon, j'allais pas rester là. Alors, bien sûr, on peut courir. Est-ce que je peux lire? Oui, je peux lire. Coca Zero Space Soda Water, 29 dollars, je ne sais pas. Bon, on peut lire clairement. En tout cas, sans changer la résolution. Pour l'instant, framerate, pas de souci. Donc, on peut courir. Je rappelle, je ne peux rien toucher. Voilà, nous ne pouvons ouvrir que ce qui est à même d'être ouvert. Ah, notre ami qui bouge. Emily, come over here. I think you should learn how to shoot a gun. I don't know, Owen. Guns are your domain. My job here is just making fancy cocktails, you know? Oh, come on. Imagine the door breaks down while I'm answering the call of nature. You must be able to protect us. It is essential. Okay. All right. I'll do it so you can take your morning dumps in peace. Okay. Take this. Start with putting the magazine in the gun. Now pull the slide to put a bullet in it. Try to shoot all the pans down. Donc petite vibration forcément au niveau du contrôleur physique. Est-ce qu'il y a autre chose? J'y pense pas. On va essayer. Non. Ah, j'ai tiré trop. Focus. Try to focus. Bien. Hop. Now that you're out of bullets, we gotta release the empty magazine and insert a full one. Ok. Hop. There you go. Now you can shoot again. Okay, let's stop there. You have one hell of a gift for someone who didn't want to learn. Mais oui, je suis loupé. Than I thought. We've been too loud. Well, then, fun's over. Give me the gun back. I'll put it away. This is a broadcast from the U.S. Army to the civilian population. All healthy and non-infected people are invited to come forward in order to be evacuated to a safe place. To be rescued under suitable conditions, please move to a clear extraction point allowing for the landing of a helicopter. Hello? This is Sergeant Gray. Go ahead. My name is Ashley Diaz. I'm at the Paradise Hotel. Please come quickly. I see. A squad will be dispatched over this area in a few hours. Remember, only civilians located in a secure perimeter can be evacuated. I can't talk much. You'll hear me. I'll be waiting for you on the roof. Please, hurry. Roger that. Meanwhile, avoid getting bitten or scratched. The disease is extremely contagious. Careful. Over and out. That was my sister. Oh, Ashley, I knew she was alive. I knew it, Owen. Yeah, I heard. And I'm thinking, since she has a radio transmitter, she's gotta be in the surveillance room on the seventh floor. Then it's settled. We have to go. Wait, hold up. Calm down. Look, Owen, it's now or never. We have to find Ashley and get the hell out of here. The door won't hold much longer.
and we're running out of food. So it's with or without you, but I am going to find my sister. All right, okay. You're right. But let's not rush out head first. Let's stick together, stay quiet, and gear up. Here, take this. At least you'll be able to carry stuff and have your hands free. Ok. Donc on se retrouve avec l'inventaire. Un peu classique. On appuie A sur pour refermer les documents, la carte. Ok. Paraît clair. My sister is alive. Je n'ai pas d'arme. Attention, Owen. Mais j'ai pas d'arme en même temps. Are you ready? Can we go now? I'm waiting for you. Eh ben, on y va. Well, that was close. Are you okay? Oh ouais, ok. Tu m'étonnes. Here, take this spray. Spray it on you. You feel better. Spray it on you. You feel better. Careful. It runs out pretty fast. You'll have to fill it up with bottles of antiseptic. Okay. We better not stick around too long. They always wake up. Bon, bah, premier jump scare. Pour ça, je vais le faire en direct. Moi, comme ça, vous voyez directement les réactions. Bon. Donc les cartes, voilà, je dois aller là, et je suis ici. Alors ce qui est bien avec le Quest Pro, c'est que les noirs sont bien noirs, il n'y a pas de souci. Là je vois plus rien, mais c'est normal que j'ai pas de... pas fermé, que je n'ai pas de lampe. Je passe pas devant, hein, non? Ça paraît très logique. Je sais que c'est un couloir, mais je vois rien du tout. Là, c'est fermé, c'est la porte de tout à l'heure, ouais. Hey, stop it. They'll hear us. It's clear he's already dead. I thought he moved. I'm sorry. Get in. I'm right behind you. Oh my God. What happened here? It's a bloodbath. Let's move. Pas terrible, hein? Find a way to cure them. Yeah, me too. But in the meantime, let's try not to end up like them. Wait, I'm gonna lift this so we can go under it. Go ahead.
Bon. Allez, passe devant. Putain. Donc on arrive ici. Dans le hall. It's so strange. It's never that quiet here usually. It's even a little too quiet, if you want my opinion. Il est immense, le hall. Allez. Let's be quick. We're exposed. Commencer. I wonder if they're still alive. Juste une affiche. Alors, ok, on a fait ça, on pouvait aller en haut. Tiens, ça c'est quoi, on pouvait sauvegarder. Voilà ce que j'ai sauvegardé quand j'ai appuyé sur la cloche. On va aller voir quand même juste. Qui conscience. Bon, c'est le registre. Ça peut-être. Voilà. Sauvegarde ici. Créer une sauvegarde. Pas mal ça. Hop. Donc, il n'y a rien d'autre ici. On va quand même aller voir. Hein. Derrière. Bon, Jeffrey, je sais plus quoi, t'es quand même courageux de passer devant, ça m'arrange. On peut avoir une petite lampe. Des endroits carrément très sombres. Alors je sais que c'est pour participer à l'expérience, à l'immersion, mais bon. Là il n'y avait rien, c'est un petit peu bizarre. Là, je ne sais pas trop y aller. Ah non, là, c'est pas possible. Il y a quelque chose là. Carte. Ouais, je peux aller au fond, mais. Pas trop envie, je vois rien. Mais alors, je vois rien du tout. That would be too easy. Let's take the stairs. Come, follow me. Escalier. It's locked. Try to open the door with your badge. But I don't have my badge. Damn it. Me neither. All right. There has to be a badge around here. Go check out the reception area. I'll go into the luggage room. If anything happens, yell and I'll show up in no time. You better. Donc nous sommes à la recherche d'un badge.
What is that? C'est quoi ça? Non. Mais oui. Par contre, il n'y a plus beaucoup de piles. Voilà enfin ce que j'attendais. Bon. Excellent. Comment je la recharge ? Dark in here. La musique est bien pressante, des petits bruits qui vont bien. Bouge pas toi. Hein. On va vite faire le tour de la pièce. Voilà. Mais ça va mieux d'un coup. Qui se lève. Vincent. Sans arme, je suis foutu. Code à 5 chiffres. Ouais, ça se passe ici, hein, mais pas moyen de trouver ce.
voyou. Le vrai truc. Something useful behind the reception area? Mais non, j'ai rien trouvé. No, not yet. Tiens, je suis mauvais, il y a un truc derrière la réception, je le trouve pas. Attends, il y a un code à 5 chiffres, je vais le prendre où? J'ai pas saisi. Oui, ça t'inquiète, je sais courir. Hop, allez, on tourne à Jeffrey. Oh putain. La vie est pas en forme. Il est où? Oh putain. Ah ouais. Ouais, tu vas peut-être me donner ton arme, non? Ouais. Désolé. Je pense que j'en aurais plus besoin que toi. Bon, bah Wayne, il a eu mal, hein. L'aventure est terminée pour lui. Allez, on va passer le badge ici. Le badge du coup. Hop, le badge. Il est là. Du coup, maintenant j'ai une arme, donc potentiellement il va y avoir... I need to find Ashley before this monster finds her. Il va y avoir du monde. Alors, on va commencer par le plus simple. Pile, fait plaisir. Ouais, cette fois-ci, on check bien. Bon, alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une RTX 4090, un i7 13700. Donc en termes de perf, là, pour l'instant, aucun souci de base. Fermé. Fermé. Bon. La bride surprise. Là. Il y a une petite potion. On va prendre l'arme. Ok. Il
L'objectif, c'est là-bas. Mais je suis con. Ah, carte de badge. Peut-être que t'as pas la... Ah, regardez ça, va. C'est sombre. I can't go up any further. I need to find another way up. The service stairs might be accessible via this floor. Bon, ça joue beaucoup sur l'ambiance. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de rencontre contre les ennemis. Ça me va. On va essayer de voir à gauche en premier. Ici, autre chose fermé, moi comme ça, ça limite l'exploration. Oui, je dois pas courir, quel con. La peine de rusher. On va sauvegarder là. Premier tiroir que l'on peut ouvrir. Allez, bingo, qu'il y a quelque chose dans le dernier. Mais non, perdu. On peut également ouvrir là. Je pense que les ascenseurs, c'est toujours pas la peine. Non. Ok. D'accord, on peut frapper au visage. Ça marche. Donc si on me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Passer.
c'est quoi le mieux? Vous allez voir par là? Allez, allons voir. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça va. Mais en se dépêchant. Come on, chains now? À tout hasard, est-ce que je peux? Non, et une balle de moins. Bon, je répète, au niveau décor, c'est super beau. Très bien détaillé, pas de soucis. David. Oui, t'es où? It's locked. Sans blague. Donc le lecteur de badge il est pas allumé, donc à mon avis ça n'est pas la peine. Voilà. Sans blague, moi ici. Ah, il faut la clé. Ok. À la recherche de David. Ah, ça fait jeu de boxe en même temps. À mon avis, ça va pas suffire, il va falloir lui mettre une bastos. Si j'arrive à le choper. Putain, il en a fait des combien? Voilà, première attaque, premier ennemi. C'est un dédale de... Je peux pas aller par là? Si, je peux aller par là. Peut-être aller voir par là. Enfin, non, allez, on va revenir là. Arrêtez la pile. Allez, je tente. Non, pas de poignée. David, il y a peut-être rangé sa clé là, non? Ah, il y a les noms. Hop, David, voilà, ici. On va déjà voir ce qu'il y a ailleurs. Rien. Rien.
peut-être mettre des petites potions ou des choses comme ça. Hein. Madeline, il n'y a quoi, rien. Et lui. Alors, une pile. Et le plan. Panneau de contrôle de l'escalier de service. Panneau de contrôle de l'escalier de service. Donc, c'est-à-dire. C'est pas la clé. La porte bête. Ah ouais, mais ce sera une fois que j'aurai ouvert. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Est-ce que j'ai fait tomber quelque chose? Non, je pensais. Allez, on continue par là. Mais bien sûr. Bien, des petites balles, ça fait toujours plaisir. Lui, il va se réveiller, monsieur. Pourquoi je le sens bien? Un petit secret. Hop. C'est tout. Ok. Mais qui sait, mais elle est pas en forme. Alors, une clé, je sais pas ce que c'est. Donc il est au troisième étage, David. Maybe he's still in the director's apartment. Ok. Elle a rien sur elle. Non, il n'y a plus rien. On y va. Même si je ne sais pas où aller. On va reprendre. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, le plan. Donc il y a une chose là, il y a des choses. Ouais, je dois aller là-bas. Je suis ici. Donc. Sortir à droite et on va aller à gauche. C'est pire que tout à l'heure. Voilà, je m'en doutais. À un moment aussi. Commence tous à se réveiller, ça va être compliqué. La clé, hop. Voilà. Tu mets ton pile. Juste un. Un dressing et il n'y a rien de ce que je vois. Non. Thank you.
Ok. Non, c'est pas là. Alors, le plan. Là, je peux aller tout de suite à droite. Et à droite, il y a une clé. Peut-être fermée, on va voir. Passage. Ça aurait été pas mal de pouvoir dévisser, mais c'est ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs intéressants. On met ça si on va pouvoir de. Bien sûr, hop, on va pouvoir le mettre. Ça m'évite de mettre à genoux. Oh, doucement, petit. Allez, je l'ai conservé. Ok, des petits mécanismes. Sympa. Ouais, c'est pas forcément les rats qui me gênent. Ah, donc je vais devoir l'ouvrir là aussi. La coaxien. Ah oui. Ah, ça a loupé un peu son petit effet. Forcément, là, je vois pas grand chose. Allez. De recevoir pas mal de balles et de munitions et de kits fait un petit peu peur. Là, c'est fermé. Oula. Bon, toi, tu peux rester endormi. I'd never have thought this guy was from the FBI. Bon, on en est fini ici. On va repartir comment on est venu. Hop. Une autre trappe, il me semble, là-bas au fond. Ouais, forcément.
Moi que je puisse l'esquiver vite, non? Si j'ai fait les autres portes. Putain, il y va, non? Ah merde. Voilà, je suis mort, donc je m'étais dit de terminer cette vidéo une fois que je serai mort, mouru, complètement défunt. Voilà, alors c'était juste une vidéo de présentation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les vidéos, dans le commentaire de cette vidéo. Voilà, je suis à quasiment une heure de jeu, je ne sais pas du tout où j'en suis. Je vous dis, à mon avis, il y en a pour 3-4 heures. Pour l'instant, très bonne ambiance, graphisme vraiment bien optimisé, c'est super beau, super bien. Enfin, franchement, c'est super agréable. J'ai pas de latence. En même temps, je vous le dis, hein, la machine, elle est aussi là. Donc, voilà. Le but, c'était de vous montrer, de vous faire découvrir un petit peu le début de cette aventure. Pour l'instant, moi, j'ai vraiment envie d'y retourner. D'ailleurs, ce que je vais faire après avoir terminé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss.